Alors, la Tonnelle, c'est un peu le centre névralgique du Giron. C'est le lieu central de la place de fête. C'est là où les gens viennent consommer minérales, bières, etc. C'est vraiment le lieu où il faut être sur le Giron, quoi. Bah déjà, la Tonnelle, c'est des centaines de bénévoles à gérer sur un week-end, des dizaines de palettes de ravitaillement, de fûts de bière à gérer, à anticiper pour le ravitaillement, des bénévoles pour des caisses, de l'argent à contrôler, évacuer, et puis bah, l'important, c'est de passer aussi un bon moment, même si on est responsable, de s'amuser et puis faire profiter un maximum de monde. Nous, on a décidé de faire un tunnel pour éviter que les machines contenant les boissons pour l'avitaillement passent par la place de fête et dérangent les gens qui sont au bar et puis même partout sur la place de fête. Du coup, ce tunnel, on vient le ravitailler avec une machine qui dépose les palettes sur un élévateur et puis nous, on peut sans autre enclencher cet élévateur de manière indépendante pour monter les palettes de boissons, décharger dans les frigos et puis faire partir en sens inverse pour que les machines puissent continuer à ravitailler partout sur la place de fête. On est en contact radio en permanence et puis on essaie d'anticiper un maximum en fonction du monde qui arrive sur la place de fête, comment les frigos se vident. Et puis on leur dit de préparer des palettes de boissons puis de les amener au tunnel en permanence. On est toujours en contact entre nous qui sommes à la Tonnelle et ceux qui sont dans la zone technique à gérer les frigos.